était là avant cette porte. Bienvenue, inspecteur. Espérons que la moelle est encore là. Théodore est passé par là. Ça expliquerait pourquoi j'ai pas pu contacter O'Neill. La planque d'Hoffman n'est pas loin. Je ferais bien d'aller voir. Hoffman, vous êtes là? Encore un. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Yann, c'est toi? Yann, c'est toi? Pourquoi mon communicateur capte tout? O'Neill a quitté sa planque pour aller dans une zone interdite de la moelle. Ça lui ressemble pas. Mmh.
On dirait que la sécurité était renforcée ici. Qu'est-ce que c'est ? Sans cette puce. Il doit bien y en avoir une quelque part. Qu'avons-nous là ?
S'ils n'ont pas encore retiré la puce de ce type, je devrais pouvoir l'utiliser pour passer cette porte et trouver Hoffman. Ok, voyons ce que ça donne. Accès refusé. Aucune puce du nom cérébral détectée. Mais merde! Heureusement qu'il est déjà mort. Il faut que je sorte de ce labo. Thank you.
encore le temps de rattraper en fumant mon île. Des voix. J'éteigne les flammes. Que les flammes te consument. Ugh!
laisserai pas s'échapper. Je vous promets. Le payer. Merci, Sébastien. Enfin, libéré de sa voix. De mes peurs. J'étais terrorisé. Tu dois l'arrêter. Je ne peux pas l'arrêter si je ne sais pas où le trouver, O'Neill. Il s'est transphasé. Il est pas là. Il est nulle part. La machine dans la pièce d'à côté. Tu dois la détruire. Quelle machine ? Il me l'a fait construire. Détruis-la. Et tu pourras le détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'O'Neill s'est retrouvé transformé en cette horreur? Aucune idée. J'étais enfermé dans ma planque depuis que vous êtes parti. Quand Liam m'a appelé, c'était pas lui. J'ai essayé Théodore White. Pauvre gars. Vous n'aviez pas le choix. Bon, et maintenant? Je crois qu'elle est de l'autre côté de la pièce où vous nous avez trouvés. Un lance-flamme. Je pourrais m'en servir, mais il est cassé. Peut-être qu'avec les bonnes pièces.
Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Ça ne fera pas mal. Il n'y a aucun mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez pas éviter...